Bienvenue à votre Météo Express du vendredi 22 janvier 2016. Nous sommes présentement au ruisseau flottant qui se trouve entre Lanspereuse et Gros-Morne. Voici donc vos prévisions météo selon Environnement Canada pour les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averses de neige, de la poudrerie par endroit, des vents du nord-ouest de 30 km/h avec des rafales jusqu'à 50. On peut voir mes couettes qui se font aller. Minimum de moins 11 et le soleil se couchera à 16h06. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse de neige. Des vents du nord-ouest de 30 km/h, un maximum de moins 9 et un minimum de moins 12. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, un maximum de moins 6 et un minimum de moins 10. À l'agenda. Si vous avez des blocs Lego à donner et que vous voulez vous en départir, l'École Saint-Maxime de Mont-Louis serait preneuse afin de les utiliser pour l'enseignement des mathématiques au primaire. Vous pouvez appeler au 418-797-2254 poste 1500 si vous avez des blocs Lego qui ne servent plus. On vous rappelle que la patinoire de Mont-Louis est ouverte aussi la fin de semaine. Donc, pour samedi et dimanche, l'horaire de la patinoire est de 13h à 14h pour le patinage libre et de 14h à 16h pour du hockey. Le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis vous invite à son bingo du dimanche qui se déroule à 13h30 au Centre Jude Drouin de Mont-Louis. Il y a aussi le même dimanche l'Association Sports et Loisirs de Gros-Morne qui organise leur bingo. Ça a lieu à 19h30 au Centre sportif de Gros-Morne. Et ne ratez pas notre télé-bingo qui se déroule les lundis à 18h30 sur nos ondes. Sur ce, bien, on vous souhaite une belle fin de semaine et on vous dit d'aller jouer dehors!